Bienvenue sur Contact Pro Live. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro. Le numéro qui sera peut-être le dernier numéro de cette année 2021. Pourquoi j'ai dit peut-être? Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 26, donc c'est le Boxing Day comme on dit ici en anglais. Nous avons encore 4 jours devant nous, disons 4 ou 5 jours devant nous avant la fin de cette année. Mais de toutes les façons, je crois que ça sera peut-être l'avant-dernier parce qu'il se pourrait que l'actualité rebondisse pour que nous puissions venir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mes chers amis, et qui demandent peut-être que nous puissions vous expliquer. Surtout, le nombre de questions, le nombre de gens qui continuent à nous appeler pour nous demander nos points de vue, et nous ne pourrons pas commencer à répondre tout un chacun. C'est pour cela, quand je lis les réponses, quand je vois les appels, je me dis qu'il faut absolument qu'on fasse une émission. Peut-être c'est pour cela que je me dis qu'avant la fin de l'année, et Dieu voulant, peut-être nous aurons encore une édition, peut-être. Mais moi, je préférerais que nous puissions faire un live comme nous avions fait, comme nous avons toujours l'habitude de faire sur Instagram. Donc, souffrez donc que nous puissions dire aujourd'hui que ça sera la dernière émission de cette année 2021. Et à partir de demain, donc, nous allons nous préparer peut-être pour faire un live. Hein? Bon, je vois la technique qui me dit oui, la technique me dit qu'il faudrait qu'on fasse un live sur Instagram ou bien sur Facebook. On le fera s'il y a beaucoup de questions qui continuent à pleuvoir. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi, mes chers amis? Vous avez, quand vous regardez, quand vous allez dans l'actualité, vous allez voir le président de la République est au Kasaï. Il y a eu Katumbi qui était à Kisangani dans le Tchopo. Et donc, l'actualité est abondante. Qu'est-ce que nous retenons de ces déplacements, de ces politiciens vis-à-vis de notre constitution? Bandeko, ezamwa pasipe mawa, komona keno, nous-mêmes, nous continuons à piétiner les lois de la République. Nous continuons à ne pas faire attention à ce qui est nécessaire, ce qui peut élever notre pays, ce qui, la direction, nous avions pratiquement perdu la direction où nous devons aller. C'est pour cela que nous disons, Bandeko biso na makambo actualité, tosenga divorce. Nous analysons pour appuyer ce que nous puissions vous dire, qu'est-ce qui est la solution, pourquoi les gens sont en train d'éviter d'aller à la solution, en cherchant à faire des manipulations qui ne nous coûtent absolument rien. Nous allons donc analyser un peu, nous allons parler un peu de tribu et du tribalisme donc, qui a été dans la bouche du président de la République. Nous allons parler aussi de ce discours de M. Katumbi et analyser le fait que les dirigeants qui veulent nous diriger, quels sont leurs apports, qu'est-ce qu'ils nous proposent finalement? Est-ce que nous allons continuer toujours à danser dans cette même mare dans laquelle il n'y a pas d'organisation, on ne sait pas qui dirige? Est-ce que les gens se contentent finalement de cette disposition de ce pays? Nous allons parler de ces deux choses-là. Mais avant d'aller un peu plus loin, prenons les grands titres de l'actualité qui paraît dans les journaux, les grands journaux sur Internet. Nous allons donc, nous avons 5 journaux que nous sélectionnons. Nous avons actualité.cd, il y a actualité.cd, Congo Profond, il y a 7 sur 7, il y a Radio Okapi. Et il y a élections-net.com. Ça, ce sont là les journaux qui nous ont vraiment accompagnés, qui étaient la source de nos informations qui nous avons accompagnés au cours de cette année 2000, quand nous avions commencé à donner les grands titres des journaux qui paraissent sur Internet. Donc, ce sont là les journaux que nous avions choisis et qui nous sert comme source. Donc, prenons donc cette actualité et nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet.
Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Afrique du Sud, décès de Desmond Tutu. Et puis à Katumbi, le sang des innocents doit arrêter de couler. Moïse Katumbi sur l'explosion d'une bombe à Beni. Et puis nous allons sur actualité.cd. Beni, le service de l'action anti-mine des Nations Unies, déployé sur le lieu de l'explosion de la population appelée à rester vigilante. Un kamikaze tue 5 personnes dans l'Est faisant exploser sa bombe. On va sur Congo Profond, un concours excellentiel jeune talent, littérature, le gagnant gratifié par Denise Nyakero. Congo Central, un train de mesure vient d'être arrêté pour contrer la montée du COVID-19. 7 sur 7, ici nous découvrons la fin de l'épidémie d'Ebola et puis le Sénat clôture la session de septembre ce vendredi. Et puis nous allons sur Radio Okapi pour terminer. Tanganyika, 6 miliciens Mai Mai. Apanapale se rendent à Kisengo. Et puis Noël Ambujimai, Félix Tshisekedi a partagé un repas avec les orphelins. Merci, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Je ne passe à autre chose. Je voudrais en tout cas présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à tous nos abonnés, surtout les abonnés qui ont été fidèles. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci pour tous ceux qui choisissent chaque matin de me suivre et qui s'inquiètent lorsqu'ils ne nous voient pas. Vraiment que Dieu puisse vous rendre cette marque de bonheur, marque d'amour que vous portez à notre endroit. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, bandeko bope sangai, courage le sous ya ko kende na musala oyo ya ko explikaka vision na biso na solution autre oyo ko apporter. Les gens m'ont posé la question, est-ce que je suis suivi ou bien je suis écouté? Mes chers amis, nga na sina yebisa kabino na lobby, soki ata tozo ami bale ou bien misato oyo bazolanda ba émission na biso et que ba trouver sens na kati ya ba émission na biso, ça nous suffit. Nous ne sommes pas dans la chasse de grandes masses ou quoi que ce soit. Nous devons analyser ba tout mito na biso e fo ça là, c'est là où nous devons arriver. Bande ko foule oyo par exemple tozolo ba ke et suivre Tshisekedi makambu Tshisekedi alobi na Kasai bino moko boyoki yango. Est-ce que makambo a motuya ndenge nini? Là, on va haranguer le food, on cherche le populisme, on cherche. C'est ça justement le problème qui se trouve que Congo na biso ezo bongate parce que population na biso eza éduquée. Population eza éduquée. N'espérons pas aussi que nous allons éduquer toute la population à 100%. Non, mais quand même la majorité ya population et comprendre problème na biso eza wapi. C'est ça le problème. Problème wana eza sikoyo ko uta na ba politiciens na biso oyo bazwa ko linga ko sala musala malamu te na ndenge sengeli. Bon, nous avons lelo et comme il solo kaka oh non to sali ba plein oh ba balanda ki Katumbi bo mona ki combien de personnes à peu près ba 1 million ya habitants ya enani ya Kisangani ya 300 000, tout ça ça se raconte. Mais le fond c'est quoi? Et lo ko nini yango tozo luka pona mboka na biso. Maintenant là que ça va faire 3 ans que le président de la République a na mboka na. Est-ce que la question est de savoir quand où il a trouvé le pays, où est-ce qu'il a amené le pays? Et là qu'on n'y a pas de tokiko loba, ce qui tu sais que dit le loi a été tokiko kanisela ye. Mboka na biso eza pratiquement dans la même situation. Yango toza komituna awa bandeko. Est-ce que le problème se trouve à quel niveau? Problème eza ko lu ezo uta wapi? Mais la réponse, je vais vous la donner, ne vous en faites pas. La question est là. Est-ce que ba politicien na biso ba yebi pona nini makambo eza ko kende na ndenge ezo kende? Est-ce que ba décision na bango ezala ka réfléchi? Est-ce que pour quand ils viennent au pouvoir? Et c'est là où je dis aussi à Moïse Katumbi, quand vous organisez votre parti, ça c'est très très bien. Nous ne pouvons que le féliciter. Nous ne pouvons que féliciter Katumbi pour que Nandengaza organisé pour Nani parti naé.
de façon que à asseoir l'électorat naé pour na 2023. Moi, je suis très content de ce monsieur-là parce que na ndenge à organisation azotia makambu na lobité. Il faut que nous puissions partir à point. Donc, ils attendent Yakobanda co-organiser parti. Ça, c'est le côté positif. Ensemble, comment est-ce que Bazako Kende? Mais le problème, c'est que je continue à décrire aussi chez Ensemble, c'est quoi? C'est le fond. C'est le fond qui ne me convainc pas. Je ne peux pas vous mentir. Mais ça, il y a Ensemble, n'a évité ce qu'ils anime. Parce que moi, je vous ai toujours donné mes convictions en disant que na ndenge o tozoko kende. Ce qui paye na biso to longwe te na système oyo ya kobanda ko kanisa kaka ngande mtu na kosala eloko nga mtu na kosala bo nga mtu na kosala bo ngande na za Jésus na bino ngande na si nous continuer sur ce lancer là mboka na biso e kobonga kate nous sommes tozaka kana na titi douana ya koloba to tekela mboka oyo na mtu moko et c'est ça le problème, c'est ça le système qui existe aujourd'hui. Nde place ngana ensemble tokuta na kate ya ngwana. Bande komboko eza mboka mutu moko te. Mutu moko akobongisa kamboka oyo te. Moi je serais content avec ensemble si on veut casser le système ya lelo, système ya lelo ndenge tozo kende nango. So ki ensemble alobi te, système oyo tozo kende nango bandeko. Ngana zoya na bino na yeli bino pla ya kobo ya ko casser système oyo ya ko déifier batu. Là à ce moment-là, je serai avec ensemble. Mais na ndenge na monaka na zo monaka kake Katumbi veut encore mettre tous dans sa poche. Donc Congo e kozala yaye. Et il a réuni tous les gens autour de lui, batou bazako déifié, bazako mona eka kayende, yende nzambe, yende mtuako sala nyoso, yende mtuako sala nyoso. Ce n'est pas bon, c'est quoi ce qui a zate? Ce qui a zate, donc parti on est kozalate. Et c'est là où je me dis que ngana ensemble to kuta na kate. La même chose, c'est avec l'UDPS. L'UDPS, on cherche à déifier quelqu'un. On dit que Tshisekedi Azaboué, Tshisekedi Ndemutu, c'est celui le visionnaire. Toza kosale la, tozo sa la vision en boka nabiso. On lui a donné tout. On veut donner à Tshisekedi tout. Regardez les journalistes qui commencent à menacer les gens qui sont en Mbujima et Baza Kolobake. Non, bino, bosale lo komo kote. Bino na Mbujima et Botonga mbo kate. Président Zakoya kuna boko kime la wapi. C'est comme si président de Mutazoya na Fimbo. Bandeko, à quand est-ce que nous allons terminer cette récréation? Stoppons à déifier les gens. Alors, ngai ya mon Baza Koloba na lobi. Tala discours à président de la République na Mbujima et Bandeko. Je vais faire de Meli Melo Nazotala parce que ce sont les deux sujets là où tu décides qui est toko lobe. Le discours est tribaliste. Il a demandé à Yakoloba que non, ngai naze pa na bino awa. C'est pratiquement le même système qui a échoué et que les gens continuent à se cramponner là-dessus. Pourquoi est-ce que Tshisekedi a encore 5 à deuxième mandat? Pour continuer à occasionner bah vol bah bilan qu'on y surtout aux Okende parce que il n'arrive pas plein de développement en Congo exalité tu sais que des gens a planté, c'est comme si tout autour de lui il n'y a pas des gens qui réfléchissent, qui savent que en tout cas système aux Okende nango et c'est Koufa qui nango. Il faut ton Luka changement. Le changement, ce n'est pas les hommes. Le changement, c'est le système. Le changement, c'est aller qu'on remettre pouvoir dans le peuple. Et c'est là où je dis, moi, je supporterai celui qui viendra en disant que Ngaïa naza candidat président de la République, mais je ne veux pas être le dieu. Je ne veux pas être celui qui va être comme le président fondateur, comme celui qui va celui yende mutako sala makamunyo, yende mutako simba batunyo. Non. Nana Kozala pour quelqu'un qui viendra avec un programme à Koloba, je remets le pouvoir au peuple. Nous réorganisons le pays de façon que Moutouna Moutou place Azali, Azala na conscience que non. Et loko o ezako appartenir à Mboka Nabiso. Bandeko, je ne termine pas ce sujet là, mais na lingina kota kaka nanu
nalikambo tribalisme sur le discours ya président de la République ou alobi na côté à Kasai Kuna. Eza mawa biso ba congolais toza ko comprendre na noté. Nous voulons quelque chose et son contraire. Aujourd'hui nous disons que non, tribalisme. Le tribalisme c'est quoi? Atoye bien on a noté. Est-ce que quelqu'un peut être peut dénier ses origines? Est-ce que Félix n'avait-il pas le droit de dire qu'il est chez lui? Félix est chez lui. Et il a droit à se dire que non, bande ko foto tongambo kanabiso à partir à Awa. Le problème que y est azana solution té. Il ne peut pas changer, il ne peut pas faire d'autre chose. Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas ça en tête, azana vision en té, azana moyen té, azana mona yango té. Le tribu existeront toujours en République démocratique du Congo. Tito kobota matoko kufa mutuna mutwaza n'est pas na bango. Chacun a chez lui. Batuna batubaza na ba pas na bango. C'est ça le problème des solutions yango nanga naza koloba. Parti oyo ekoyaka et reconnaître article 10 ya constitution na biso. Ya koloba remettons le pouvoir à la base. C'est-à-dire que batuna batuba yeba ke no tozana ba territoire na biso aweze pa na biso. Aweze pa na biso mutolu ya bakoko na biso kundama awa. Oweza mabele ya batandu, oweza mabele ya bapende, oweza mabele ya banande. Banande ils ont droit à batu baza koloba ke no bande ko conférence ba gouverneur faudrait que batinda kabango. Je crois que vous êtes à côté. Les gouverneurs doivent être élus et puis bakende kosala na ba région mususu bandeko likambwana essayer le kakala. Pourquoi? Parce que l'histoire dans laquelle nous avons passé et la kisibiso ke toki kozonga simate Mobutu nous a donné une certaine unification bien sûr à salaka yango et simbaka na tawana mais na lelo oyo où le congolais assez tomboli makanis ayebi connaissance ya mboka na ye eza passe ya koloba ke no Munanda kende ku akendo za la gouverneur na ba Congo et koza la passe ça ne sera plus la même chose. La seule chose qui nous reste à faire c'est réorganiser cette tribu là en fonction à batuna batu baloba. Awa batu oyo to vandi awa za batangu za banani za banani za toza l'ensemble to tia kimia na parti na biso pa na biso awa. Biloko nyonso tu na ndenge yango na solo bana lobi. Batu otoza na bango tozo réfléchir na bango sur les conférences de yaba territoire ou bien les états de lieux de territoire en savent plus ba documents ezalie ezako la kisake non tant que les territoires ne prendront pas en charge la situation économique na babiloko mususu ekoza la passe la situation économique de leur territoire. Qu'est-ce qu'il nous faut? Comment est-ce que nous pouvons contrôler notre territoire? Quelles sont l'administration qui a fonctionné? Comment est-ce que nous allons brocher? Comment est-ce que nous allons nous joindre à la République? Et que nous allons se reconnaître tout ce qui est congolais à Wapi. Aza congolais à Wapi. Ou non, aza congolais à Ubangi. Oui. Tant que biso ba swahili ba tuwa banande na epa na biso toko ye ba deficit na biso za wapite makasi na biso suki wapi.
Poto benga muluba ya kosale la biso ya kozala juge pa na biso. Tant que to komi na situation na te, mboka na biso ko bonga. Soki baluba bazaba juriste ya malamu. Alors, nous le nande qui sont à Butembo à Beni ou à Lubero, toko benga tolobi ah toza na poste mo kwa ya ba juge en tout cas na tozo luka ba juge. Ce qui va virer à bazar un médecin à malam, ok, ba médecin va kokende ko sala parce que nous sommes à Ouzo Utawapi, ou ni Muyomba et tout, c'est comme ça qu'on l'appelle en swahili. Et c'est ça que nous prenons ici à Contact Pro Life. Reconnaissons d'abord nos entités de base. Bandeko, quand vous lisez Babiloko a décentralisation, constitution Nabiso, na Babiloko Zalaki ko préparer décentralisation. Vous allez comprendre que nous sommes en train d'aller dans la décentralisation. On est comme Mabiso na fédéralisme. Mboka na biso eza munene pour que tobanda ko se confondre biso moko tantôt toza. Non, Congo eza ya biso nyoso. Quand il faut maintenant investir, on commence à se dire que non, vous n'avez pas investi chez vous. Pourquoi est-ce que ce journaliste qui se dit que non, il est congolais, pourquoi il n'est pas allé investir à Ijwi? Il a préféré investir à l'Équateur, son territoire et origine Nae, place papa Nae Azali. Et vous comprenez, suivez mon regard, vous comprenez de qui je parle. C'est ça donc, les origines doivent être reconnues. Nous devons reconnaître, il y a qu'on peut pouvoir na base Bandeko. Base, ce qui tu sais que dit la magistrature Nae Oyo, à comprendre Yango. C'est pour cela que nous nous sommes dit toti kana nous makambo aba élection oyo bandeko toto zwana nous reconnaissance ya ba comment dirais-je ya banani na biso ya ba base na biso to uti wapi to zwa connaissance wana koloba base na biso to uti et nous sommes organisés comment dans nos bases. Et c'est là où nous pouvons nous dire que notre cause a respect à Babylon qu'on a mis sur Mboka. Nous ne nous respectons pas parce que nous tous nous savons que Mboka ou Mboka n'a mis sauté. Les Congolais, quand tu demandes à deux trois personnes, bah Congolais, un étranger, bah Koloba Mboka ne sale langue loko mon côté. On se pose la question Mboka il fallait sale la nini na moto. Les gens ne savent pas. Quand tu vas par exemple demander le passeport, ils ne savent ambassadeur nabiso na nabiso ba congolais to vivaka en étranger to za la cacher un chat parce que nous connaissons que ces gens-là ce sont des voleurs. Alors pour rétablir ça, rétablissons d'abord la base, reconstruisons notre pays à partir de la base. Et je me suis dit bandeko na ko betaka sete kaka na eloko oyo et je prends ça à cœur pour 2023 que non. Jusqu'à ce que Batu à Kinshasa, comment ils commencent à nous appeler en nous disant bon, qu'on leur explique comment est-ce que nous pensons que Biloko wana ekoki ko salema. Batu à Mayele Bazali et Bele na Congo, on va réfléchir ça que non. La base doit être organisée et que l'économie doit être posée sur les bases. Ba territoire na biso nde place wana tokiko banda ko sala ba contrôle à partir ya ba territoire. N'attendons pas à ce que ba entité za la minene toko za la confus. Les gens ne se connaissent pas, les gens n'ont pas confiance entre eux. Et ça, nous avons constaté ça que non. Ba Congolais, ba yana angona étranger. Vous allez pouvoir que Kotia bomoko na ba Congolais eza pasi vraiment. Kotia bomoko na ba Congolais eza pasi. Et nous devons commencer ça par la base. C'est là où toza kowele lelo komo kote. Toza kowele lelo komo kote. C'est comme cela que nous nous disons que président de la République, soki azo senga pouvoir ya deuxième, azo senga deuxième mandat, pour en faire quoi? Le président actuel devra justifier les 5 ans qu'il a passé à la tête de la République. Katumbi est en train de chercher un électorat d'être élu. Il y a un populisme, un ezakolukama. La seule chose que le président Tshisekedi doit faire par les 2 ans qui lui restent, ce sont les actions.
makambo ya kosala ka ba meeting batu baye ake kokosa aiko keko promettre lisusu batu kosala boye nous remet nous rentrons dans le même circuit ya ba promesse qui ne nous amène nulle part. Il aurait bien dit à Kolobata ngala lingite makambo na lingina kende kosala musala. Même aujourd'hui nous nous posons la question si réellement le président de la République a le pouvoir. La question demeure. Parce que les gens qui n'ont modèle auto pesakaye bokonzi. Et quand il a ce bokonzi là, c'est par là. Mais quand constitutionnellement, lorsqu'il va vouloir faire quelque chose, il est empêché. Mais dans la tête des gens, tozo yemba onde mokonzi nabiso, c'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui tout ça. Il va faire ceci, akosala boye nenga kei kuna akosala boye et loko moko ko changer na kasa ite. Il a promis encore na biloko ba miba. Il n'a même pas analysé batoba za koyeba souci à miba. Quel est le réel problème à miba ezali? Ce n'est pas le problème d'argent. Et ce problème en bon côté, on peut mettre 50 millions à Miba et qu'aussi la paix kakaboye. Et mais le président se permet encore une fois de plus de promettre en disant que non, à quoi arranger à côté en bon kuna. Mbon wango à côté à kuna et zako outa wapi. Et ko outa wapi. Et c'est toutes ces questions-là que nous nous posons en nous disant que non, il est encore grand temps à ce que lorsque nous voyons les politiciens qui viennent, bato baza koya. Ce qui baza na idée à changer ba système OOT, en tout cas, moi je sais que eloko moko ko sale maté. Je sais, quand ils viennent, ba tu vas organiser ba parti, c'est comme ça que je disais d'ensemble, ils organisent bien leur parti. Et ça bien. Mais l'idéologie profonde, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez changer en République démocratique du Congo? Vous voulez changer la tête? Ou bien vous voulez changer le système? Et quel est le système que vous prenez? Système Ninango Asika Obokolingaboya Kotiel Abiso. Or, moi je vous donne ici des pistes et des solutions. C'est comme ça que je disais que non. Ensemble aussi doit réfléchir. Même Fayoulou. Ne venez pas nous dire que non, Tshisekedi est en train de faire oh Azama la mouté, Azo Salamabe, Azo Salabobo. Mais qu'est-ce que vous nous proposez? Ok, tous la ba proposition a bino tango à campagne électorale. Mais nous avons déjà vu que et donc nyonso o ba politicien o nyonso tout baza ko lité poza bo baza la ba bengana mutuana zawana bango ba kota ba lia pena ndenge mutuana msusu azalaki wana azaki kolia. Tshisekedi est en train de faire la même chose que Kabila faisait. On n'a pas vu de changement. Il y a une situation qui détériorée. Dans l'ancienne émission, je vous ai dit que l'espoir que Tshisekedi suscitait était en train de s'envoler de plus en plus. Pour Nanini, parce qu'il n'y a rien comme changement. Il n'y a rien. Bandeko, l'exemple typique est que même dans 3 ans, Bandeko, Awa, en Afrique du Sud, Awa, quand vous avez fait 4 mois sans arriver dans un réa. Lorsque Okomakuna, Okokuta, Bilokozor Kouchange, les gens construisent tous les jours. Les gouvernements. Ezala Batou, Ezala, Ezala impulsion à construire. Okokuta, Obatongi, Bapalabala, Obatongi, Okuna, Basiba, développement, Monsieur Koti. Non, c'est du jour au jour. Mais, quand on a Zonga et Kinshasa, Awa. Le même aéroport, la petite aéroport de Kinshasa, comme cela depuis 20 ans. Bon, tchaka, couleur, couleur, koufi. Rien ne change. Changement koya na système autozana katite. Changement koya na système tango. Le peuple à la base pourra s'approprier à Koloba. Non. Maintenant, ezamusala tozo salambongo tozana ngo ota, toko contrôler ngo boye. Ce n'est pas quelqu'un, nous ne travaillerons pas pour un homme. Mais discours otoza koyoka awa, le gouverneur doit accompagner la vision du chef de l'État. Mboso parlement, il faut bangonyo surtout bazo tindika tozo tindika. C'est comme si Tshisekedi yende mutoza na baguette magique à changer babiloko. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et wana na epsa kyo na lobi matière oyo ezay belé peut-être na kozongela kango si nous avons l'opportunité en tout cas parce qu'il faudrait que vous compreniez que base, quelles sont les bases que nous posons pour le 2022? J'étais content c'est que de soit contacté par Batoua Kinshasa Baza Kotuna, Banani ba
bah projet où il y a 145 territoires. Parce que je suis le premier qui avait commencé à parler de ça. Et les batu oyo ba yanani ya contact ba abonné na ngai o bazalaka awa ba yebi yango que nous avons commencé par dire que notre s'il on n'organise pas la base en appelant les états de lieu de territoire pour que les territoires puissent se prendre en charge toko kende suka elo eso aussi comme mon côté. Nous, notre problème, c'est que nous puissions casser cette troisième république, que nous passons à la quatrième république. Nous avons commencé à parler de ça. La révision de cette constitution était... Bokoyo kaka d'abord nanani na bokotanga na banani nangai yakala. La constitution ici n'est pas bonne. Dans le temps, on m'avait injurié. Oh non, Germain, yo ozolo, mais la constitution, est-ce que vous êtes constitutionnaliste? Tout ça. Mais aujourd'hui, les gens me donnent raison. Constitution Otozanango, ce n'est qu'une feuille de chou. Voilà. Avant de terminer, je vais remercier un couple qui est en train de faire la différence ici en Afrique du Sud. Je crois que vous avez vu certains de mes reportages dans les réseaux. C'est un couple, ils ont une ONG qui s'appelle Right to Live Foundation. Ils font un bon travail, en tout cas, Jean Boissard et Maman Nicole, en tout cas, vous avez mes meilleurs voeux pour l'année d'abord 2022. Vraiment, vous faites du bon travail. Je demanderai à tous ceux qui me suivent d'aller voir la vidéo, le reportage de distribution des alimentaires qu'ils ont fait à plus de 500 personnes. Ils le font chaque mois. Chaque mois. Et nous demandons à ceux qui ne sont pas encore enregistrés dans cette ONG, comme je peux dire ça, de le faire. Parce que, à partir de là, nous pensons que nous pourrons résoudre beaucoup de problèmes. Nabomo konde bisonyozo tuto kolonga. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et encore, meilleurs voeux à tous mes abonnés. Je vous aime beaucoup, en tout cas. Tous ceux qui m'appellent, je vous aime beaucoup. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.